Salut à tous, c'est Lumia, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation, attention de pas n'importe quel véhicule, la customisation de la toute nouvelle voiture, et oui, la Easy Rally. En vrai, c'est une nouvelle voiture qui est sortie en mode rally, donc on va voir si elle est pas mal en termes de rally, si elle est bien, si elle est sympathique, si elle rallye pas, si elle drift, si elle fait ci, si elle fait ça, on va voir tout ça. En tout cas, abonnez-vous si vous n'avez pas déjà fait, activez la cloche et on est parti. Pour la custom, let's go. Voilà, c'est cette voiture-là, Easy Rally, que je trouve magnifique. Donc, en gros, bon, j'ai un peu des gommes, hein, mais en gros, c'est une voiture de rally. Enfin, c'est les Mini qu'on avait avant, mais en mode rally. Donc, c'est le tout nouveau kit qui est sorti aujourd'hui, les gars, qui est sorti ce matin. Voilà, elle coûte quand même 1 835 000. Je trouve quand même ça abusé. Franchement, le prix, il est vraiment, 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 vraiment abusé. Non mais 1 800 000, oh. Rockstar, qu'est-ce qui vous arrive? 1 800 000, je sais pas si vous vous rendez compte, 1 800 000, c'est énorme. Moi, si je devais le mettre, je le mettrais moins d'un million déjà, ça c'est sûr et certain. Peut-être, allez, je le mettrais aux alentours de 800 000, mais 1 million, waouh quoi, c'est chaud. Alors, customisation. Ok, alors on a séparateur rallye, séparateur course, on va mettre par rallye forcément les gars, hein. Je veux dire c'est le thème de la voiture. Rallye, rue et arrière, pare-choc arrière de rallye, ok je vois pas c'est quoi qui change. Bon, on va mettre celui-ci. Ok, châssis. Alors au niveau du chacha, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais d'accord. En fait c'est l'intérieur qui change et l'extérieur. De série, c'est pas mal, j'aime bien. Carbone, couleur 2. On va mettre compétition. Compétition, c'est pas mal, les gars, je pense. Compétition, c'est pas mal. Moteur. Alors, moteur, on va mettre moteur niveau 4, forcément. Échappement. On a pas mal d'échappement. On va regarder un peu les échappements. Bah, je pense que. Oh, ils sont pas mal, ceux-là. Rally, regardez, c'est un peu. Ressorti, on va mettre cela. On s'en fout. Calandre. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de calandre? Je vous montre de tirer comment c'est. Double ventilation, gros logo. Et avec jet d'eau. Honnêtement, je pense que là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que de série, c'est le meilleur. Capot. Alors, en termes de capot, qu'est-ce qu'on a? On a capot de rallye phare. Capot de rallye phare, capot. Ouais. Pas mal aussi comme ça, capot de rue. J'aime bien le capot là. Tu vois, capot de course, c'est pas mal avec le petit côté noir. Et là, on a le côté noir. Ouais, je pense que je vais mettre de course. Parce que rallye, c'est bien, mais je préfère quand il y a du noir qui ressort. Ça change un peu, ça fait le colorant en plus et tout. Et c'est pas mal. Alors, éclairage, phare xénon, forcément, guide néon, support néon, arrière, couleur néon, on va mettre fièvre jaune. Motif. Alors, qu'est-ce qu'on a en motif sur ce véhicule? Wow. Patriote. Ok. 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 Et ok. Ouais. C'est pas exceptionnel, hein. Vraiment, vraiment, c'est pas exceptionnel. Alors moi, je pense que je vais partir sur. Le problème, c'est que la bande noire ici, elle gâche un peu le truc. Oh, mon motif, honnêtement, je sais pas du tout quoi mettre. Oh, c'est un peu bizarre les motifs, hein. Après, c'est pas. Après, c'est une voiture de rallye, donc en vrai, les motifs sont adaptés, tu vois. Il n'y a pas un truc jaune simple quoi. Tu vois, genre ça c'est pas mal. Mais je voulais un truc genre vraiment noir. Pas noir mais. Qui n'y a pas trop de couleurs. On va mettre ça pour l'instant. Motif, on s'en fout. Rétroviseur. De rallye. Oh, pas mal comme ça. J'aime bien de rue. J'aime bien les ceux de rue. Des fois, il y a des trucs de rue, c'est pas mal. Des fois, c'est pas trop bien. On va mettre jaune sur noir. Peinture. Alors. Un véhicule de rallye caméléon, je pense pas. Je pense pas du tout.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur sur un véhicule comme ça, honnêtement? Honnêtement, je pense que les voitures de rallye, généralement, c'est un peu bleu et jaune. Donc, je vais partir sur un jaune racing. Et couleur secondaire, pareil, hein. Jaune racing, les gars. En vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Ensuite, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a en toi? Non, ça non, ça non. Non, ça gâche tout ça. Non, non, non. Moderne, c'est pas moderne, non, dégueulasse. Bah, je pense, toi, rallye avec l'antenne, les gars. Vendre, non. Bas de caisse. Bas de caisse, aileron. Bas de caisse, aileron. Avec garde-roue. Alors, aileron. En termes d'aileron, qu'est-ce qu'on a en termes d'aileron? Châssis, imposant large. Châssis, châssis bas. Moi, je pense plus partir sur du rallye, hein, parce que c'est vraiment le thème. Grand coffre, non. Coffre découpé. Rallye Winnie ou rallye? Rallye Winnie, c'est quoi la différence? Je sais pas. Rallye sur terre. Non, bah, pas cela. Un des trois là, mais pff, honnêtement. Tu vois, le gros là, il est beau. On va mettre celui-là. Après, j'aime beaucoup celui-là quand même aussi. Tu vois, genre simple, tout petit bébé comme ça. Ouais, je vais mettre sur terre, je pense. Pare-choc. On va mettre. Bah, celui-là, tiens, couleur 1. Suspension de compétition. Hop. Transmission de course turbo, on est bon. Les roues, bah, je pense qu'on va laisser celle de base, à part si. À part si, attendez, à part si on mettrait pas une petite couleur en noir comme ça, ouais. SUV, je pense, sur ce genre de truc. Parce que deux séries, elles sont comme ça. Il y a moyen de trouver un truc. Il y a moyen de trouver un truc, faut juste que je trouve. L'oreille d'un sport. Non. Tuning. Non plus. De rue, non. Un truc quoi là comme ça, ouais, je vais mettre celle-là. Ok, vitre limousine, et voilà ma customisation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Une note sur 10, moi je la trouve hyper belle. Ce petit côté jaune, le motif très léger. Et on va tester la puissance du véhicule, est-il bien ou pas bien? Telle est la question, et on va aller ici pour tester ça. Il y a un peu de route, un peu mode rallye ici. Alors, est-ce qu'il a une bonne tenue de route ou pas? C'est ça la question. Attention. Bon. C'est pas mal. Il a l'air de bien tenir la route quand même. Bon, je vais pas aller dans l'eau. Bon, là, c'est normal avec des montagnes et tout. Après, ils ont dit que ça allait sur la terre. Donc. Il a franchement, les gars, il a une bonne tenue de route, il tourne bien, et sur l'air ça tient bien. Ouais, franchement pas déçu. Quand ils disent rallye, c'est vraiment rallye. Ouais, il tient bien la route dans le rallye. On peut même aller carrément à l'aéroport, les gars. Et ben écoutez les gars, c'était la customisation du tout nouveau véhicule Easy Rally, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, on se statue, abonnez-vous, posez-vous, ciao.